Dus mensen die gewend zijn systematisch uit de lijn te stappen, dan is het best moeilijk. Nee, pas nécessaire. Maar het hoeft niet. C'est nécessaire si vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que l'école, le style vous impose, mais. Het is alleen maar noodzakelijk als je het gevoel hebt dat je of te duwen tegen de arm, de arm uit de lijn te trekken. En le mouvement, je fais comme ça. Et vous avez l'impression que ça va se lever très haut, mais en réalité, vous voyez que. Mes bras sont à la même hauteur, sont à la hauteur de mes épaules, et c'est Didier qui est en train de basculer. Als tussen jou en de ander wordt beïnvloed door je emoties en door je gemoedsgesteldheid en door je gedachten. Ze zijn heel erg aan het concentreren op het mes en op de slag. De manier waarop je de slag ving werd heel erg hard. Je m'occupe très peu de ce bras-ci et je frappe. Là, au centre. Il maakt zich heel erg druk om die eerste hand en concentreert zich op die andere hand die naar het hoofd gaat. Je me glisse dans un petit espace parce que je m'y sens bien. Là où je me sens à l'aise, tranquille, je peux aller. Je kan die kant op gaan waar je op je gemak voelt. Dus als je. Als Nicolas naar beneden gaat, dan is dat een. Donc l'essentiel c'est de ne pas mettre de force. Ok, vous pouvez changer la position de la main, évidemment. Bijvoorbeeld, je verandert de positie van de hand. Vous voyez, si je change de direction, hop. Je verandert de richting. Ou de position de main, ça n'interrompt pas le flux du mouvement. Probeer niet de voortgang van de beweging te belemmeren, maar een kleine verandering aan te brengen. Ja. Toujours vous contrôler. Jamais de déséquilibre puisque vous marchez normalement, vous êtes tranquille. Je blijft gewoon rustig doorlopen, zodat je eigen evenwicht, dat je daar nooit in onbalans komt. Et les opportunités de mouvement se présentent d'elles-mêmes. En de mogelijkheden die je hebt, die komen vanzelf, die ga je vanzelf zien. Presenteren zich vanzelf. Tranquille, ja. Oh, je marche tout seul. Juste à faire ça. Alleen maar dat is nodig. En avant. Alors, en avant, je viens proche pour pouvoir voir avec lui. C'est horrible, hein. Hop, je vais partir. Je continue. Allez, par ici. Je vais te faire ça. Als ik hem letterlijk zou vertellen, zou ik denk ik zeggen, je moet scheid
geleerd hebt, wat je doet als je zo'n techniek maakt, is dat je in feite verbergt waar je allemaal iemand een klap toe zou kunnen dienen. En een goede oefening zijn is dus niet alleen maar goed aanvallen en goed vallen, maar ook proberen te beseffen waar je allemaal die klappen zou hebben kunnen krijgen. Zelfs als iemand niet in staat is om ze te maken, omdat die nog niet weet hoe. Là, je fais suffisamment clairement pour qu'il puisse chuter grand, vous avez vu. Il a reconnu la technique. Il a vu, donc il a chuté. Daarom kon hij zo'n val maken. Als hij niet had voelen aankomen, had hij geen mooie val kunnen maken. Tout le monde. C'est normal. Ici, qu'il soit attiré vers moi, pour que je puisse continuer. C'est toujours le même processus depuis le début du cours. Ceux qui débutent, souvent on pense qu'on fait la technique à l'autre, donc eh bien, on va vers l'autre, on lève son bras, on fait ça, on tire comme ça, on prend le bras. Mais en fait, ça se fait. Zeg jezelf. Hij staat vanzelf. Oh, is dat goed? Duur, maar. Een punt.